Je parle du fameux serment confessionnel. Ce fameux serment confessionnel-là, qui n'a pas de place dans une loi fondamentale d'un État qui se dit laïque. Ce serment confessionnel qui n'est confessionnel que le nom. Parce que, abusivement, on a dit que toutes les autorités religieuses ont été d'accord pour le faire. C'est faux. La proposition médiane que les chrétiens ont faite pour cette loi n'a pas été tenue en compte. Et qu'on ne nous dise pas que c'est une loi confessionnelle admise par les autorités religieuses. En ce moment-là, nous renvoyons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit ? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce n'est pas parce que je fais un serment confessionnel que je vais être vertueux. Mais si au fond de moi-même, si ma culture religieuse, si ma relation avec le Christ ne m'apprend pas à être vrai, à être comme mon grand frère Jésus-Christ, à être amen, à dire toujours oui à Dieu, ce n'est pas une loi humaine, même si elle est habillée d'une couleur, je ne sais pas, religieuse, qui va changer cela. Je voudrais que les chrétiens soient libres dans leur conscience. Si cette loi n'est rien, considérez-la comme rien. Dans tout engagement, il y a un serment à faire. La formule, ça, ce n'est pas le plus grave. L'essentiel, c'est que vous vous engagez devant Dieu, au fond de votre conscience, et devant le bien commun. C'est ça notre souci. Et si les chrétiens, nous pouvons être exemplaires dans la gestion du bien commun, dans le respect, dans l'honnêteté, dans la loyauté au service du bien commun, alors nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous imposer un serment, si religieux soit-il. Donc je demande à tous les chrétiens qui ont une responsabilité, quel que soit, qu'on les écarte parce qu'ils n'ont pas fait le serment, qu'ils montrent qu'ils sont des chrétiens, les valeurs chrétiennes, même s'ils sont subalternes, ils doivent la manifester. On dit que le diamant brille même dans la boue. Alors, nous n'avons pas besoin de titres, nous n'avons pas besoin de grands avancements, mais nous voulons être chrétiens, nous devons manifester les valeurs chrétiennes là où nous sommes. On ne peut pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à quelqu'un. Donc je voudrais que ce soit clair, qu'on ne vienne pas me demander encore s'il est permis, oui ou non, à un chrétien de faire le serment confessionnel. Je vous renvoie votre conscience et nous sommes libres devant Dieu dans notre conscience. Celui qui pense que c'est rien, il peut le faire. Je ne lui en voudrais pas. Celui qui refuse parce que par acquis de conscience qu'il ne peut pas, je ne lui en voudrais pas.